Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, excusez-moi un peu pour la sueur, je sors du sport, donc je suis encore en chemin quand vous me voyez là. Voilà, aujourd'hui est né un guerrier, aujourd'hui est né un lion, un champion, un mignon, Franco le mignon. Souhaitez-moi d'abord Happy Birthday, c'est de ça qu'il s'agit. Tonsi François, je m'appelle Tonsi François. Pour ceux qui ne connaissent pas, Tonsi François, c'est ça mon nom. Fils d'un guerrier, feu guerrier, Boyom Kwam, Jérémy, et de maman, feu maman, Chris Pauline. Paulina, oui, un villageois, comme vous me traitez tous les jours, qui s'est imposé dans la société. Un villageois, un jeune homme venu du fond de l'ouest, à Baham là-bas, s'imposer en ville à Yaoundé. Oui, un villageois devenu patron. Mes amis villageois là, battez-vous, mettez-vous au travail, donnez-vous le meilleur de vous-même, afin qu'on vous appelle aussi patron demain. Mieux vaut un villageois patron qu'un citadin chômeur. Vous comprenez bien, non les gars? Battez-vous. Je voudrais profiter en ce merveilleux jour, qui est mon meilleur jour, parce que je ne vais plus dire merci à mes feux parents, ils sont déjà morts. Mon merci aujourd'hui, c'est pour ceux qui entendent encore et qui m'écoutent. Alors, merci 229 000 fois à tous mes abonnés de la page Franco TV. J'ai dit 247 000 fois à tous mes abonnés de ma page Franco le Mignon. J'ai dit merci 72 800 fois à tous mes abonnés de la chaîne YouTube. Vous avez fait de moi l'homme le plus heureux. Oui, honnêtement, je suis tellement comblé, je suis tellement heureux grâce à vous. C'est pour ça que quand vous m'insultez chaque jour, on est habitué. Traitez-moi de villageois, mais continuez à me soutenir. Je voulais dire merci à tous mes grands frères qui m'ont élevé. Et je voulais les faire comprendre qu'aujourd'hui, je suis devenu un homme. Oui, un vrai homme. Parce que hier, je me rappelle, dans mes débuts, je n'avais même pas d'habits pour porter. Il y a des grands frères qui m'envoyaient même des vêtements, des pumbeng. Oui, je vous présentais ça. Il y a des grands frères qui restaient comme ça, ils me faisaient des dépôts de 30 000, 50 000, 100 000. Je reconnais jusqu'aujourd'hui. Et je vous dis encore infiniment merci. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que j'ai, parce que je me débrouille encore. Mais mon statut quand même a un peu changé. J'ai déjà quand même ce que je peux acheter, quelque chose pour porter. J'ai déjà un peu ce que je peux m'habiller avec, les gars. Et je vous dis merci pour tout ce soutien que vous m'avez donné. Malgré que beaucoup me décourageaient, beaucoup voulaient me faire chuter, beaucoup voulaient me faire tomber, beaucoup m'encourageaient. Je vous dis infiniment merci. Aujourd'hui, j'ai persévéré. Et comme on dit souvent, la vie c'est la bastonnade. J'ai bagarré. Je suis fier de vous dire aujourd'hui que je suis devenu un homme. Beaucoup me traitent de sorcier aujourd'hui. Mais j'ai une question à poser à tous ces gens qui me traitent de sorcier. S'il arrive même que j'entre dans la sorcellerie aujourd'hui, les gars, c'est pour tuer qui? Mes parents. Parce qu'on dit souvent que ce sont les parents qui donnent beaucoup d'argent, non? Mon père ou ma mère. Ils sont tous morts. Ma mère est morte en 2016. Ça fait 8 ans aujourd'hui. Mon père est décédé, ça fait presque 2 ans déjà. Je vais encore entrer dans la société pour tuer qui? Ma femme, mes enfants. Je vais alors faire quoi avec cet argent? Puisque je mouille le maillot, je souffre nuit et jour comme ça pour l'avenir de mes enfants. Je souffre nuit et jour comme ça pour mettre ma femme, mes enfants à l'aise. Si je n'avais pas une femme et des enfants, je devais être en train de souffrir, courir derrière les caméras, courir partout, partout comme ça pour faire quoi? Non! Non, 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 non. C'est que le peu que j'ai, je pars, je mange, je dors. Bah, je sais que ma vie est une place. La mort arrive demain là, personne ne va rester souffrir. Je vous dis la vérité. S'il faut entrer dans la société, je suis pour tuer mes enfants. Les agas qu'on ne vous trompe pas, les biens là sont éphémères. Je suis caméraman ou c'est d'affaires comme il y a fumé plus de 100 obsèques. Il n'a jamais vu, on a mis un corps dehors comme ça et on a demandé que le monsieur s'y avait combien d'immeubles à Yaoundé. Le monsieur s'y avait combien de villas à Douala. Non! Quand on met le corps, on dépose le corps, on dit où sont ses enfants? Quand les enfants sortent de la pum, tu entends seulement la foudre.
Le monsieur Silla a fait faux, hein? C'est le respect, mon frère. C'est-à-dire que quand les enfants s'alignent là, on dit que oui, même ton corps fait peur. On comprend que ça, c'est un guerrier, il a fait fort. Donc tout ce que vous bagarrez pour les biens là, non. Ne tuez plus vos frères pour les biens éphémères. Tout ça, c'est zéro, c'est l'ordre de un. Dès que la mort là, arrive là, tous vos immeubles, machin, on reste, les gars, restent même bagarrés. Que moi là, je souffre comme ça pour eux. Et je dis encore mille fois merci à tous ceux qui me donnent les business, leur business de mariage et tout, aujourd'hui, parce que c'est toujours une manière de m'encourager. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres caméramans qui peuvent même faire mieux que moi, mais beaucoup me donnent leur marché, leur mariage, leur cérémonie, pour dire, Franco, on sait d'où tu viens. Et on sait, on peut imaginer d'où tu pars. Vraiment, beaucoup de courage. Donc beaucoup me donnent leur marché pour m'encourager. Je vous dis merci également pour tout ça, les frères et sœurs. Chers jeunes, le seul conseil que je voulais vous donner pour chuter ma vidéo, travaillez. Faites-vous confiance. Ne cédez pas à la facilité. Non. Ne croyez même pas à la sorcellerie. La meilleure, la vraie sorcellerie, c'est le travail. Jusqu'aujourd'hui, je travaille sans repos. Tous les jours, j'ai les nerfs. Tous les jours, vous me voyez toujours, je suis toujours congolibon, non? Parce qu'on ne peut pas garder les cheveux. Parce que je réfléchis trop les nerfs. Quand je me coiffe, je suis congolibon comme ça. Ma tête respire. Je réfléchis trop. Voilà tous mes amis qui sont allés en Côte d'Ivoire. Voilà tous mes amis qui partent à Dubaï, machin, tout ça. Mais moi, je dis non. Je me sacrifie tout ce que je cherche là. Il faut qu'ils situent dans mes enfants. Et la meilleure manière de situer ces enfants, les amis, je vous invite à vous inscrire à la liste électorale. Chers jeunes, inscrivez-vous à la liste électorale pour changer les conditions, non seulement nos conditions, également, si ça ne peut même pas changer nos conditions, parce que Enyo nous a fait ça dur. Nous, on n'a même pas les routes. Nous, on n'a même pas. On va même citer quoi et quoi. Donc, inscrivons-nous massivement, parce qu'en nous inscrivant massivement, ça met la pression à ces ministres, de route. Je ne vais pas dire ministre des transports ou du ministre ministre des routes. Voilà. Et ministre des néons. Voilà. Ministre des emplois. Je les appelle comme ça. Ça leur met la pression. Que chacun fasse son boulot comme il faut. Inscrivez-vous à la liste électorale, les amis. C'est très important. Ne dites plus jamais que depuis qu'on s'inscrit, ça sert à quoi. C'est très important. Cette fois-ci, vous allez voir à quoi ça va servir. Inscrivez-vous massivement. Sur ce, je vais chuter ma vidéo. Vous voyez comment la nature... Un villageois se sent toujours à l'aise quand il embrousse. Voilà, je rentre du sport, les amis. On est ensemble. Passez une bonne journée. Et souhaitez-moi happy birthday. Hein. Je veux voir 247 000 commentaires, ou bien 229 000 commentaires, ou bien 78 200 commentaires sur YouTube. Ciao, ciao. Je vous love mal. Ah, Franco le mion. Sans mes abonnés, sans vous, je suis quoi, mon frère? Je ne suis rien. Je suis fier d'être ce que je suis grâce à vous. Vous m'avez rendu un vrai homme. Un homme digne. Un homme respectueux. Un homme de valeur. Bisous.